Ohio les amis, Ohio et bienvenue sur ce... Comment il s'appelle déjà? Supplément Sauce Cab, c'est ça, c'est le nouvelle émission. La nouvelle émission donc des streams hors planning mais dans les mêmes heures du planning. Voilà, il faut suivre. Donc en gros le mardi ça stream pas ici mais étant donné quand même qu'on est quand même là le matin et le midi, et ben ça s'appelle donc Supplément Sauce Cab. Et on continue Emio, l'homme au sourire, chapitre 4. Donc on est reparti sur la cartouche du jeu. On était sur la démo jusqu'à la fin du chapitre 3. Donc si tu es sur YouTube et que tu suis attentivement les VOD, voilà la suite tant attendue. Emio, l'homme au sourire, le chapitre 4 de l'histoire. On va reprendre l'enquête. Ça va faire une bonne semaine qu'on n'a pas joué. Et on en est là donc... La sauvegarde de la démo a été reprise. C'est parti. On devait le faire à l'issue de l'unboxing du collector, mais il y a eu des petits problèmes techniques. Voir le résumé de l'intrigue jusqu'à présent, tout à fait. Eisuke Sasaki, âgé de 15 ans, a été retrouvé mort, la tête recouverte d'un sac en papier, avec un visage souriant dessiné dessus. La scène du crime rappelle celle de meurtres non élucidés commis il y a 18 ans, ainsi que la légende urbaine de l'homme au sourire. Et le chat qui se met à chanter quand je parle. Après avoir passé la journée à faire des recherches sur les enfants cousés, vous vous rendez au bureau le lendemain matin, comme d'habitude. Je pense qu'il y a un objet volant non identifié ou une araignée. Et quand ça couine comme ça côté chat, c'est qu'il a repéré une bestiole. C'est la saison des araignées là, ça redémarre. Je vais baisser un petit peu le logo du jeu parce qu'il dépasse sur le chat. Donc chapitre 4, suspect. Il est où mon petit logo? Il est là. On le réduit un peu, c'est la magie du stream. On le décale. C'est la fleur qui... Si on le verra bien là. Désolé, je suis en retard. Bonjour. Oh, Ayumi n'est pas là, est-elle en train d'enquêter? Alors le soir, on était rentré la veille, il n'y avait plus personne. Bon, on se dit qu'il était tard. Mais là, on arrive le matin, toujours pas d'Ayumi. J'espère que tout va bien. Oh, le téléphone sonne. Oui, allô? Ah, c'est Ayumi. Salut Kabuki, tu as travaillé tard hier. Oui, mais j'ai beaucoup appris. Oh vraiment, je suis extrêmement curieuse. Tant mieux, car j'ai hâte de partager tout ça avec toi. Où es-tu là? Oh, désolé, je suis... En fait, j'ai rendez-vous avec Tsubasa Fukuyama cet après-midi. Tsubasa Fukuyama? Oh, c'est vrai. Il a dit qu'il parlerait à d'autres élèves de l'école, alors... J'espère qu'il a découvert quelque chose de prometteur. Peut-être une piste? J'ai vraiment espoir. Moi, je pense qu'il pipote pour le draguer, mais bon, on verra. Oui, je comprends. Sur quoi vas-tu enquêter aujourd'hui? Ah, on avait vu la bibliothèque dans le hardbook.
Je vais aller jeter un œil aux archives de la bibliothèque et consulter les articles sur les meurtres d'il y a 18 ans. Bonne idée. Sois prudent et à plus tard. Merci Ayumi, sois prudent toi aussi. Oh et salut Monsieur Fukuyama de ma... Et ça a raccroché. Très bizarre. Oh, elle a raccroché. Alors, elle était pressée ou il y a un truc pas net? Alors, se déplacer. Donc, on pourrait aller directement à la bibliothèque. On pourrait réfléchir un petit peu. Allons à la bibliothèque, voilà. Tout simplement. J'y vais. Bibliothèque municipale. J'aimerais entrer et commencer à enquêter au plus vite, mais il faut d'abord que je réfléchisse à une stratégie. Les meurtres ont lieu il y a 18 ans. Je vais sûrement devoir fouiller. Alors... Réfléchir. Ce serait une perte de temps de se lancer sans stratégie. Mais bien sûr, demandons conseil à Monsieur Utsugi. C'est vraiment pratique d'avoir ce téléphone portable. Détective Utsugi. Ah, Kabuki, que puis-je faire pour toi? Eh bien, j'allais me rendre à la bibliothèque pour voir ce que je peux y découvrir sur les meurtres d'il y a 18 ans. Mais avant, je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner sur la méthode de recherche ou les écueils à éviter. Voyons voir. Eh bien, avec les meurtres en série, il faut prêter une attention particulière au premier cas, car c'est là que tout a commencé. Wouah, Pignoufou, comment il va? Bon, ça va bien, je suis à la maison, on stream pendant la pause déj du boulot, et on est au chapitre 4 donc de Emio. Ah, malade, ce qui te permet d'être là. Bah, ça arrive de temps en temps. Moi, c'est télétravail. Tu bosses dans quoi d'ailleurs, Pignoufou, si c'est pas indiscret, t'es obligé d'être... au taf tous les jours ou t'as du télétravail aussi? De ce que je comprends, t'es plutôt au taf tous les jours, non? T'as un taf manuel ou un truc dans le genre qui nécessite ta présence? Et il serait intéressant de savoir comment l'incident a été relaté et comment les médias l'ont analysé au moment des faits. Non, j'ai du télétravail, je suis développeur dans une boîte de transport. Ok, donc tu... Ok. Donc t'es dev pour des logiciels internes de la boîte, quoi. Et moi, dans mon taf, je bosse avec des devs pour faire un outil pour ma boîte aussi. Grosso modo, c'est ça. Non, je suis pas émoi, je suis BPO. Mais bon, c'est un peu, c'est un terme un peu moderne. Lié à l'agilité, il me semble. Donc c'est Business Process Owner. Donc je suis le client de l'outil et j'exprime les besoins, etc. Mais après, je suis pas côté MOA où je rédige et je m'occupe des devs. Moi, je suis vraiment... Je m'assure que ce dont on a besoin soit bien retranscrit et utilisable, etc. On fait aussi les tests métiers, tout le tralala. Ouais, c'est ça. C'est ça. On bosse sur Salesforce, si tu connais. Enfin, on a commandé un outil sur Salesforce. Ensuite, après avoir consulté ses archives, essaye de faire le point sur tes notes. Si un détail te frappe, je te conseille de te concentrer sur ce point précis.
et d'approfondir les recherches. Ah voilà, merci Pignoufou. J'ai débarqué là-dedans, je savais pas. Et c'est une vraie merde. Dès que tu veux pas, dès que tu veux faire quelque chose, c'est non standard. Ça coûte une blinde, etc. Et puis c'est... Il y a beaucoup d'anomalies. Je pense que tu trouveras de nombreux points communs avec les événements d'il y a 18 ans quand tu auras terminé. Je crois fermement que la disparition de Makoto est liée à ces meurtres et... Je ne serais pas surpris si les informations que tu découvriras nous aident aussi à faire toute la lumière sur l'affaire Sasaki. Merci pour ces conseils, patron. Par ailleurs, mon petit doigt me dit que la légende urbaine d'Emio, l'homme au sourire, est au cœur de cette affaire. Actuellement, c'est sur cette hypothèse que je base mon enquête. Dans tous les cas, je dois m'excuser d'être rarement au bureau. Il n'y a aucun problème, patron. Ayumi et moi, nous pouvons nous occuper des tâches courantes. Merci, j'ai de la chance d'avoir d'excellents assistants. Je compte sur vous deux. Merci patron, il faut que j'y aille maintenant. Discuter avec Monsieur Utsugi est toujours une source d'inspiration. Ne le décevons pas. Allez, on va aller dans la bibliothèque et puis on va commencer à fouiller les archives. Bon, entrons. Voyons voir, les archives des journaux sont sûrement la meilleure source d'information pour les cas les plus anciens. Et ça joue à quoi en ce moment, Pignoufou? J'ai l'équivalent d'un an d'article datant d'il y a 18 ans pour commencer. Ah ouais, c'est bien organisé. Hein. Qu'est-ce que c'est lourd! Bon, arrêtons de nous plaindre et lisons tout ça. En ce moment, j'ai lancé Sackboy Adventure. Ah, d'accord. Sur PS5. Ok. Tu as pas fait le Astrobot. Apparemment, il enjaille bien tout le monde. Un bon petit plateforme dans les règles de l'art en 3D. Alors, on peut pas appeler quelqu'un. Il va falloir qu'on commence à réfléchir, là, je pense. Des coupures de journaux qui couvrent une année complète. Ça en fait des documents. Le prochain truc, ce sera Astrobot. Ouais, c'est ça. J'ai dit Astroboy, peut-être. Que j'attendais avec impatience, mais j'économise un peu. Ok. Passons en revue ce que j'ai trouvé. Inspecter, alors. Déjà, si on inspectait... Pour inspecter les environs, là, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette salle. Mais on a vu, on est tout seul. C'est calme et paisible dans la bibliothèque. Inspectons donc les journaux. On va commencer par les... Alors, je pense qu'il n'y a pas de différence. Hein. Ah oui, d'accord, si. Là, on a janvier, février, mars, avril. Alors, on va commencer par le premier. Les coupures de journaux d'il y a 18 ans, elles couvrent le mois de janvier et février. Quand a eu lieu le premier meurtre en série de la série? La date de cet article relatif à cette affaire est... Ah voilà, le premier meurtre a été commis en février. Bon, faut que je m'en souvienne. En même temps, c'est le mois de mon anniv, je devrais m'en sortir. Donc ça, c'est le premier meurtre d'il y a 18 ans. Hein, parce que là, on a un meurtre qui a l'air d'être dans le même mode opératoire que la série de meurtres d'il y a 18 ans. Donc il y a 18 ans, une jeune fille de 17 ans nommée Ayaka Hashizume a été retrouvée étranglée sur la plage de la ville de Kofuku. Sa maison avait été incendiée la veille et le corps de son père a été retrouvé sous les décombres. Les premiers rapports indiquaient que le père l'avait peut-être tué avant de se suicider.
Des rapports ultérieurs ont émis l'hypothèse qu'un troisième individu avait peut-être tué le père et la fille. De plus, l'article mentionne une personne disparue qui aurait été proche de la jeune fille. Donc ça, c'est le frère cousin, il me semble. Mais il n'y a rien du tout dans ces articles à propos du sac en papier sur la tête de la victime. Qu'est-ce qui a causé l'incendie? Et pourquoi le père d'Ayaka n'a-t-il pas pu s'échapper? Et qu'en est-il de cette personne disparue? Il y a beaucoup d'éléments manquants dans ce premier cas. C'est indéniable. On va regarder les mois suivants. Des coupures de journaux d'il y a 18 ans. Elles couvrent le mois de mars et avril. Il y a eu occasionnellement des articles publiés après le crime de février, mais peu de couverture médiatique dans l'ensemble. Il n'y a aucune nouvelle information qui pourrait m'aider. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir entre deux? Passons en revue ce que j'ai trouvé. C'est quoi, c'est dans le bloc-notes? Élève studieux, tac tac, chauffeur, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Réfléchir. Ouais, ok, passons en revue ce que j'ai trouvé. Ça serait dans le bloc-notes alors, mais... comment elle s'appelait? C'était voilà, Ayaka Hashizume. 17 ans à l'époque, ouvrière d'usine. Première victime de la série de meurtres. Survenue il y a 18 ans, a été étranglée à main nue. A été tuée en février il y a 18 ans. Son corps... Non, c'est pas Aya Nakamura. C'est Ayaka Hashizume. Son corps a été retrouvé sur la plage en périphérie de Kofuku. Certains diront dommage, mais non, c'était pas Ayaka Nakamura. La veille de la découverte de son corps, sa maison a brûlé et les restes présumés de son père ont été retrouvés dans les décombres. Donc la veille, sa baraque crame, son père meurt. Et si on suit la légende urbaine, sûrement qu'elle était en train de pleurer dans un coin et que Emio est tombé dessus. À l'époque, la police a envisagé la possibilité d'un meurtre-suicide, entre autres hypothèses. À la même période, quelqu'un qu'elle connaissait a disparu. Le fait que sa tête était recouverte d'un sac en papier quand on l'a découverte n'a pas été révélé par la police à l'époque. C'est pour ça que c'était pas dans le journal. Monsieur Tayama. Oui, ça c'est un truc qu'on n'avait pas dû lire. Donc ça, c'était le voisin quand on était allé voir la grand-mère des cousins. Ok. Ça veut dire qu'on a eu en jaune des nouveaux indices. On va tous les passer en revue parce que sinon, ça va être l'embrouille. Et donc le patron, là, il est en train de se renseigner sur la légende urbaine. C'est pour ça qu'on le voit pas. Il enquête aussi. Makoto Kuze, donc le frère de l'inspectrice... On avait enquêté sur lui. Tsubasa. Donc, c'est le prof qui est dans le collège où Eisuke a été buté. Ça, c'est la grand-mère Kuze qui nous a raconté toute la life de l'inspectrice et de son petit frère. Ah voilà, donc ça, c'est le père d'Ayaka Hashizume. Mort dans l'incendie de sa maison le même jour où Ayaka a été tué. Le même jour où elle a été tuée. Il semblait que c'était la veille. Détective assistant, bon ça c'est notre pote Ayumi. Alors ça c'est quoi? Autre personne, d'accord. Élève studieux, bon ça c'était le dernier live où on les avait interrogés. On reviendra dessus si besoin. Ça c'est le taxi mystère, on sait pas pourquoi il est venu nous chercher. Comment surtout. Et la déléguée. Ok. Comment on peut... Comment on peut passer en revue ce qu'on a trouvé? Je pense qu'on l'a fait là dans le journal.
Est-ce que là, ouvrir le bloc-notes, non. Appeler, aborder non plus. Interroger, écouter. On va inspecter alors. On continue. Ah oui, ça, on l'a vu déjà. Du coup, le mois de mai maintenant, mai-juin. Les coupures de journaux d'il y a 18 ans, elles couvrent les mois de mai et juin. Le deuxième meurtre a eu lieu en mai, donc février, mai. Environ 3 mois après le premier. Pour l'instant, examinons les détails du deuxième cas. Ohio Augustin, Augustin, Agustino, l'ancien des anciens. Je suis tombé par mégarde, enfin on m'a suggéré, parce qu'en fait je vais sur Facebook, je t'explique, pour m'occuper de la page du groupe Nintendo Switch Collection. On a un groupe de 600 personnes et on partage, enfin c'est surtout moi qui partage, toutes les sorties physiques de la Switch. Dès qu'il y a une annonce de sortie physique, je vais poster là-bas, du coup je passe par mon Facebook. Je n'utilise plus. Et là, Facebook me propose, figure-toi, ton profil. C'était sympa, c'était marrant. Ça fait plaisir de voir ta bouille. J'ai pas fouillé, hein, je te rassure. La victime était une jeune fille de 15 ans nommée Sachiko Takagi. Eh ben écoute, j'étais en train d'y réfléchir, mais je m'en rappelle même pas. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il y avait écrit Augustin ou autre chose? En fait, j'ai reconnu l'affiche par rapport à ta trombine, mais j'ai même pas regardé le nom en fait. Donc il faut que j'attende maintenant qu'il me le repropose. Comme la deuxième victime était aussi une jeune fille étranglée dans la ville de Kofuku. Ah, comme là. Ok. Donc ça c'est au mois de mai. Premier meurtre en février, il y a 18 ans. Deuxième meurtre au mois de mai. La police a très vite annoncé que les deux crimes pouvaient avoir été commis par la même personne. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à indiquer qu'il y avait des liens. Il y avait un mode opératoire en gros. On sait nous que c'est le sac en papier. Avec le sourire. Mais ils n'avaient rien dit à la presse. La photo a été prise en Italie sur la photo de... Et sur la photo, mon boxer s'est trouvé. Ah oui! Ouais, la photo... La pépé. Ah, t'avais l'air heureux, ouais. Donc t'étais en Italie, t'étais heureux. Mais elle n'a absolument rien dit sur le sac en papier. Donc voilà, je fais les commentaires en avance, désolé. Sur pépé la pépé. Selon un voisin... de la deuxième victime, la jeune fille était issue d'une famille à problème. Et il la voyait souvent pleurer seule la nuit. Et ça colle avec la légende urbaine. La possibilité d'un tueur en série semble avoir suscité une grande couverture médiatique à l'époque. Donc on va trouver plein d'articles de journaux à partir du mois de mai. Daijoubu, Augustin Daijoubu. Ça va bien. J'avais envie de rester à la maison aujourd'hui, d'où les suppléments sauce cab. Et voilà. Ça, ce soir, quand j'éteins le PC, je suis direct à la baraque. Je me tape pas les transports, la pluie, tout ça. Mais bon, faut pas le faire tout le temps parce qu'on a droit qu'à 2 jours et là, je me prends un troisième jour, tu vois. Mais bon. Tout mon taf peut être fait à la maison H24. Et le troisième meurtre a eu lieu en juin. Donc là, sur ces coupures mai-juin, on avait... On a 2 meurtres. Le troisième incident s'est produit en juin. Donc, premier incident en février, le gars il a mouliné, tout ça. Peut-être culpabilisé, je sais pas. Il a attendu 3 mois. Tac, en mai, il remet ça. Et en juin, ça y est, il commence à prendre goût au truc. Voici un article à ce sujet. La troisième victime était Mika Inoue, âgée de 17 ans. Une jeune fille comme les deux premières. Alors, Augustin, avis personnel, si le résultat de ton taf en...
Si le résultat de ton taf en TT, pourquoi pinailler pour que tu viennes? Bah, c'est des histoires de... On vous fait pas confiance, mais on vous le dit pas, parce que bon, c'est pas éthique, mais il y a toujours ce degré de non-confiance. Et l'excuse qui est prise pour ça, c'est il faut se voir, quoi, il faut garder le lien. Mais vu que dans l'équipe, on n'a pas tous les mêmes TTV pour pas que tout le monde soit absent ou présent sur les mêmes jours, parce qu'il y a une histoire de place aussi, eh bien on se voit pas tous. Il y a un jour dans la semaine où on se voit tous. Moi, je serais pour commencer par faire un jour par semaine. Tout le monde vient le même jour. En plus, c'est le jour de la réunion d'équipe, tu vois. Et à ce moment-là, on se voit tous. Et le reste de la semaine, on fait ce qu'on veut, quoi. On veut venir, on vient. Il y en a qui aiment pas être chez eux, qui ont des gamins chiants, qui ont des animaux chiants, une femme chiante, ou qui se sentent seuls, tu vois, qui ne savent pas, qui ont besoin d'être en équipe pour bosser, même s'ils bossent pas, enfin, qu'il y ait du monde là où ils bossent. Et il y en a d'autres qui s'en tapent le coquillard, comme moi. Ah non, vous, c'est pour que ça coûte moins cher en bureau. Pas trop la place. Non, bah nous, en fait, il y a beaucoup de place. Je pense que quand on déménagera, Pignoufou, on aura plus de TTV. Je pense que les locaux seront envisagés avec un jour de plus de télétravail pour dire qu'il y aura moins de monde. Parce que quand tu mets tout le monde en télétravail, si tu fais full télétravail pour tout le monde, tu payes plus d'électricité, tu payes plus les délires de cantine, et tu payes plus l'eau et tout ça, quoi, le chauffage. Hein, toutes les charges, quoi. Alors, j'avais suivi une formation. Alors, pour les formations, je suis d'accord qu'il faut être sur place, c'est plus sympa. Mais la formation, c'est pas pareil. T'as une interaction avec le formateur, il y a une transmission de savoir, etc. Tu peux poser des questions, sortir du cadre. Parce que la e-formation... Alors, peut-être que je m'emballe, Augustin. Tu avais suivi une formation en e-commerce, mais est-ce qu'elle était à distance, ta formation? Parce qu'il y a aussi la notion de e-commerce qui est sur le web. Alors, la troisième victime, elle aurait eu une dispute avec ses amis ce jour-là et aurait quitté l'école en pleurs. Les deux, d'accord. Et est-ce que tu avais ton formateur en ligne par webcam ou est-ce que vraiment tu lisais des slides, des vidéos, quoi? Ah, il y avait des gens qui venaient pas de Schnorr. Ouais, ils étaient de partout, quoi. Partout sauf Schnorr. Ah, vous étiez sur Zoom, donc il y avait quand même une interaction avec le formateur. Cependant, il semblerait qu'elle ne soit pas rentrée chez elle. Elle a dû être attaquée en chemin. La troisième victime venait également de Kofuku et a été étranglée de la même manière que les deux autres. L'article évoque la possibilité que ces trois meurtres aient été commis par le même tueur. Voyons ce qu'ils disent à propos du sac en papier. Ils ne mentionnent rien là-dessus. On a déjà trois victimes en l'espace de... Et on est déjà arrivé au mois de juin. On va regarder ce qui s'est passé en juillet. Les coupures de journaux d'il y a 18 ans, elles couvrent les mois de juillet et août. Parce que moi, Augustin, j'ai fait des formations où je suivais des vidéos, ensuite je devais faire des exercices, uploader les exercices, et on me répondait par mail. Du coup, j'ai jamais eu de contact humain, téléphonique ou visuel pour faire ma formation. Tu vois. Ta boîte déménage, ça veut dire plus de TTV et donc plus de stream. Ouais, c'est ça. En fait, quand je suis en TTV, je dérange personne parce que ma femme travaille. Donc, c'est des plages horaires sur lesquelles... Alors, c'est sport les journées, hein, parce que je me lève plus tôt. Quand je suis en TTV, je pourrais dormir vachement tard et me lever au dernier moment pour bosser, tu vois. Chose que je ne fais pas parce que je stream. Et le midi, je mange vite fait et j'enchaîne. Mais c'est comme ça que j'aime life. Il n'y a que quand je suis malade que je ne stream pas, parce que... Par respect, en fait. Par respect pour le taf, les collègues, tout ça, je suis malade. Ok, je peux jouer dans mon coin, rester posé.
Par contre, je le diffuserai pas sur le web. Ah, merci Augustin. En plus, on est bien monté là. Là, je suis à plus de 1200 abos. Et là, je suis à 2 balles en 2 jours. Je suis à 2,19€ de monétisation. Donc en fait, c'est j'ai à peu près un millier de vidéos sur YouTube. Et jusqu'à maintenant, s'il y avait de la pub, c'était pas pour moi la thune parce que j'étais pas partenaire. Maintenant, je suis partenaire parce que j'ai atteint les 1000 abos. Et j'ai demandé à mettre les pubs sur toutes les vidéos. Et du coup, j'ai ramassé pour l'instant 2,19€. Qui m'ont pas encore été payés, bien sûr. J'imagine qu'il y a des paliers. Mais c'est pas mal en 2 jours. Parce que si on fait 1€ par jour, et ça se maintient comme ça, on peut être à 30 balles. Et après, je te lis, puis il nous faut. On peut être à 30 balles par mois et faire gagner peut-être des jeux indés en déma, des trucs comme ça. Donc ça peut être pas mal. Et quand je suis arrivé aux 500 abos, ça a ouvert aussi les subs sur YouTube. Hein. Il est possible de s'abonner sur YouTube et de faire des dons. Alors Pignoufou, j'ai bossé pour une grosse boîte dont je tairai le nom, mais qui était un sponsor très visible des Paralympiques. Ça voulait pas de full remote, donc TTV, télétravail pour ceux qui savent pas, alors que c'est dans un quartier de merde, la Défense. Ouais. Et quand j'ai eu un accident de trajet qui m'a amené à ne plus supporter les transports, ils ont mis fin à ma mission. J'étais en ESN et encore en période d'essai. Mais du coup, t'es en région parisienne, du coup, Pignoufou. Ouais, donc t'étais dans ESN, c'est quoi déjà? C'est les prestats, non? Dans l'informatique? Ouais, SS2I, ok. Donc ouais, c'est des prestats info. Orienté info, on va dire, intégrateur, tout ça. J'ai bossé dans une boîte de presta, hein, par 2 fois dans ma vie. Et justement, en faisant le changement entre 2 grosses boîtes, j'étais passé par une... J'étais repassé par la case presta. Et je voulais dire autre chose, je sais plus. Ouais, par contre, ils avaient bien su nous passer en flex office. Ouais, c'est les bureaux, c'est plus comme avant, t'as plus ton bureau attitré. Quand tu arrives le matin, tu prends le bureau que tu veux, quoi. Bon, sauf celui du patron. Personne n'ose, c'est bizarre, hein. Celui du chef d'équipe. Mais je me disais, Pignoufou, ils auraient pu te dire OK pour le TTV, du coup, tu vois. Et là, ça aurait été aussi un peu... Ça aurait été vraiment, on veut que tu bosses jusqu'au bout, quoi. Mais là, par contre, ils t'ont viré, c'était pas terrible. Pas viré, entre guillemets, ils ont pas reconduit la mission, quoi. Et du coup, t'es toujours en SS2I, là? Donc, il y avait des articles tous les jours au mois de juillet. Hein. Ex-office, j'aime bien, mais avec un bureau attitré. Bah, c'est un peu ce que j'ai aussi, Augustin. C'est-à-dire que tous les matins, je m'assois... Enfin, chaque fois que j'y vais, je m'assois à la même place. En général, personne s'y met, sauf s'il n'y a pas le choix. Du coup, on a quand même notre place, mais le soir, quand on part, ça reste une place anonyme. Il n'y a plus la photo de tes gamins, ta petite plante verte, ton Bouddha, ton Daruma, tout tralala, quoi. Alors, donc malgré tout le temps qui a coulé, on ne voit pas de détails qui aident à résoudre l'affaire. Ok, on va passer au mois de septembre, où on va refaire le point, là, déjà. Pendant que j'y pense, je me demande s'il y a un article sur la disparition de Makoto. Je crois que Makoto a disparu en... Oula, on peut pas revenir en arrière, les gars, là. Bon, il faut réfléchir. Les aubergines, ça pousse quand, les amis? Vous savez ou pas? Parce que lui, il a chopé des fleurs d'aubergines, ça veut dire qu'elles n'avaient pas encore poussé. Et je crois qu'il a disparu en... Bah, il me semblait que c'était en février, donc c'est pas ça. Disons que ça pousse en septembre, non, au mois de mai, printemps, fleur d'aubergine. Allez, je tente au mois de mai. Mai? Non. Vraiment? Je crois que Makoto a disparu en... On va faire 15 essais, quoi, la rage. Je peux pas consulter mon journal. Ah merde, j'ai fait une accélération, là.
Donc ma deuxième théorie. Mais non, mais c'était aucun de ces mois. Pour moi, c'était février, mais bon. Allez, on va dire juillet. Juillet, regardons à nouveau les coupures de juillet et août. Y a-t-il quelque chose sur Makoto? Alors, les semis d'aubergines se font au chaud à partir de février pour une récolte en été. Donc, en juillet, ça avait presque poussé. Tiens, ça collerait pas avec l'histoire. Est-ce qu'il y a encore des fleurs d'aubergines en juillet, tu vois, au Japon? Ah, voilà juste une brève. Disparition d'un garçon de 14 ans dans le village de Yukariko. Le village a été passé au peigne fin toute la nuit, mais le garçon demeure introuvable. Certes, les années ont passé, mais personne n'a établi de lien avec la série de meurtres de jeunes filles. Cela dit, M. Utsugi et l'inspecteur Kamada pensent qu'il y a forcément un lien. Je dois aller au fond des choses. Ah, il me semble que c'était le dernier meurtre quand il a disparu. Je sais plus. Faisons le point sur tout cela. On va ouvrir le bloc-notes. Donc Mika Inoue, elle, c'était la troisième victime. Ok, elle pleurait suite à une dispute avec ses amis. Sachiko Takagi, c'est la deuxième victime. Elle avait des problèmes familiaux et donc le soir, elle pleurait seule dans son coin. Et Makoto Kuze, on en sait un peu plus sur lui. Sa disparition n'avait pas fait grand bruit à l'époque. L'article n'évoquait aucun lien possible avec la série de meurtres. Ok. Bon, ben on a fait le point, il n'y a pas de problème. On va inspecter le reste. Donc, septembre-octobre. Des coupures de journaux d'il y a 18 ans. Elles couvrent les mois de septembre à octobre. Peu d'articles sur la série de meurtres de jeunes filles. En même temps, ça datait du mois de juin, donc... 3 mois plus tard, ça en parlait un peu moins dans les journaux, voire quasiment pas. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien de nouveau à ce moment-là. Novembre-décembre. Je ne vois pas beaucoup d'articles. Donc on est bien d'accord qu'il y a eu 3 meurtres il y a 18 ans, de ce que je comprends, et que le même mois de la dernière victime, le frère a disparu. Le frère de l'inspectrice, Makoto Kuze, donc. J'imagine que les médias en auraient parlé s'il y avait eu du nouveau. Ok, j'ai parcouru l'équivalent d'un an de coupure de journaux. Voici ce que j'ai appris jusqu'à présent. La police a annoncé que la série de meurtres de jeunes filles a très probablement été commise par le même tueur. Bien que cela n'ait jamais été divulgué, chacune des victimes a été retrouvée avec un sac en papier sur la tête. Je serais arrivé à la même conclusion. Quoi qu'il en soit, après le deuxième meurtre, le premier cas est revenu sur le devant de la scène. Et alors que la couverture médiatique de cette série de meurtres a été effrénée pendant un certain temps, elle a baissé vers le mois d'août, probablement parce qu'il n'y avait ni piste sérieuse, ni nouvelle information. Heureusement, il n'y a pas eu de nouvelles victimes non plus, si on ne tient pas compte de la disparition de Makoto. Mais pourquoi ? J'ai beaucoup lu sur les meubles il y a 18 ans, mais je vais maintenant me concentrer sur certains éléments clés. Le premier cas est essentiel pour l'enquête. Monsieur Utsugi le pense aussi, puisqu'il m'a dit de me concentrer sur ça. Alors, inspecter, examiner le premier cas. Le premier cas a retenu mon attention. C'est le plus étrange des trois.
Je devrais aller au fond des choses. Dans le premier cas, la victime était Ayaka Hashizume, une adolescente de 18 ans. Elle a été trouvée le matin du 16 février, ça se précise, sur une plage isolée de Kofuku. C'est un pêcheur du coin qui a trouvé le corps. Il avait un alibi en béton et a été immédiatement écarté en tant que suspect. La police scientifique a indiqué que la victime avait été étranglée à main nue la nuit précédente. C'est pour ça que c'est le même jour que la mort de son père et de l'incendie, puisque c'était la veille. Il s'avère qu'Ayaka avait quitté son emploi dans une entreprise locale le jour de sa mort. Son supérieur affirme qu'ils se sont séparés en bons termes et qu'elle avait effectué son préavis. D'accord, donc elle avait prévu de partir, elle a fait son préavis, elle s'est barrée de sa boîte, et le soir même, elle se fait étrangler. Certains faits me préoccupent particulièrement. Ils concernent deux suspects impliqués dans cette affaire. Attendez, je crois que le chat est en train de démonter le rideau. Non, c'est bon. Il concerne deux suspects impliqués dans cette affaire qui connaissaient Ayaka. Suspect. L'un des suspects était Manabu Hashizume, le père d'Ayaka. Ayaka et lui vivaient ensemble dans la ville de Kofuku. Cependant, leur maison a été détruite lors d'un incendie qui a eu lieu un jour avant qu'on ait retrouvé Ayaka morte. Et un corps a été retrouvé dans les décombres. Il s'agissait vraisemblablement du père d'Ayaka. Certains ont émis l'hypothèse que le père aurait pu tuer Ayaka avant d'entrer chez lui et de se suicider. Cependant, cette théorie a été abandonnée suite à un examen approfondi. Et qui plus est, les deuxième et troisième meurtres survenus quelques mois plus tard ont davantage compliqué la situation. Si le père d'Ayaka était le vrai coupable, il avait péri dans un incendie, il n'aurait pas pu commettre d'autres meurtres. Enfin et surtout, les informations sur le sac en papier n'ont jamais été rendues publiques. Ce qui laisse à penser que toutes les victimes ont été tuées par la même personne. Est-ce que cette personne pourrait être l'autre suspect ? Le nom de l'autre personne n'est jamais apparu dans les médias. La personne en question était un jeune homme qu'on apercevait souvent en compagnie d'Ayaka avant sa mort. On ne l'a pas revu depuis la mort d'Ayaka. Et lorsque son appartement a été perquisitionné, la police y a trouvé une quantité inquiétante de sang. Pour la police, il était de toute évidence le suspect numéro 1. Tout a été mis en œuvre pour le localiser. Mais il n'a jamais été retrouvé. Il doit s'agir de la même personne dont l'inspecteur Kamada m'a parlé. Chaque fois que je lis Kamada, j'entends Kev Adams. C'est moche, hein ? Un décès et une disparition. Ouais, deux suspects, un mort, un qui a disparu. Bizarre. Il est tout à fait possible que le meurtre d'Ayaka et l'incendie de sa maison ne soient pas liés. Surtout si l'on considère que les victimes étaient toutes des jeunes filles qui avaient plus ou moins le même âge. L'incendie ne cadre pas dans ce schéma. Et l'utilisation systématique du sac en papier pointe vers un tueur en série. Je me demande si la police a conclu la même chose. Je ne trouve pas d'article allant dans ce sens, en tout cas. Il faudra aller reparler au keuf, en fait. Ok, faisons le point sur les informations rassemblées jusqu'à présent. Faire le point. Ah.
Le premier meurtre remonte à 18 ans et la première victime était Eisuke Sasaki. Le premier meurtre, on a dit, ok. Donc on peut lire des trucs, ok. Ah mais non, je suis con, putain, j'ai pris le dernier, moi, le... C'est le premier meurtre de l'histoire qu'on a vu. Je me disais, pourquoi il répète? Non, le premier meurtre, c'était Ayaka Hashizume. Vous suivez pas, les amis. Voilà. Dans la première affaire, deux personnes étaient suspectées par la police. La première, c'était bah, le daron. Donc Hashizume, il est où Hashizume? Manabu Hashizume. Donc le père d'Ayaka. La seconde, c'était... Ah! Alors là, autre personne, policière, chauffeur de taxi, lèvres bavards. Alors, bon, on va faire par élimination. C'était pas Junko, l'homme au sourire, l'homme porté disparu. C'était lui. C'est ça. Au début, certains ont émis l'hypothèse que le père pouvait être le tueur dans le contexte d'un meurtre-suicide. La veille de la découverte, du corps d'Ayaka, on a retrouvé sa maison avec le corps de son père à l'intérieur. Et là, il faut l'écrire, quoi. Alors, si je mets incendié, brûlé, je vais mettre brûlé, on va voir si ça passe. Oui, c'est exact. Le père avait semblablement péri dans l'incendie qui a détruit sa maison. En ce qui concerne l'homme porté disparu, était-il une autre victime ou était-il le tueur? Il semblerait que la police ait considéré les deux possibilités. Il a disparu le jour même où Ayaka a été tué. Une quantité inquiétante de a été retrouvée chez lui. Donc c'était du sang. Il faut suivre, hein. Là il blague pas. Hein. Oui, il y avait une énorme quantité de sang chez lui. D'après l'inspecteur Kamada, seules des blessures gravissimes peuvent faire couler autant de sang. Il est donc possible qu'il soit simplement mort. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai bien fait d'avoir refait le point sur toutes ces infos. Je pense que c'est tout ce que je peux tirer de mes recherches. Ce stade. Les conseils de M. Utsugi m'ont été très utiles. C'était efficace de commencer avec une méthode de recherche claire. Mais... En fin de compte, ces meurtres n'ont pas été résolus. La police n'a jamais trouvé de preuves concluantes. Se peut-il qu'un suspect soit passé entre les mailles du filet lors de l'enquête initiale? En ce qui concerne les deuxième et troisième victimes, il y a un point commun que je n'avais pas pris en compte. Toutes deux ont été aperçues en pleurs avant d'être tuées. Une fille qui pleure. La légende d'Emio. Dans la légende d'Emio, l'homme au sourire apparaît avec un sac en papier sur la tête devant une fille qui pleure. Je me demande si la première victime, Ayaka Hashizume, pleurait également avant d'être tuée. Et s'il existait une raison qui aurait poussé son père à la tuer? Peut-être qu'ils avaient de graves problèmes à la maison.
Oh, il se fait tard et je n'ai pas mangé. J'ai besoin d'une petite pause. Planète Coffee, qu'on a vu aussi dans le artbook pendant l'unboxing. Première fois qu'on le découvre en jeu. Merci de m'avoir contacté aussi rapidement. C'est normal, Ayumi. On se connaît depuis longtemps, non? Je veux t'aider. Eh bien, j'apprécie vraiment. C'est une chance d'avoir eu un tuteur tel que vous. Oui, parce qu'à l'époque, quand elle était encore au lycée, c'était son tuteur. Je fais de mon mieux. Je m'investis toujours pour mes élèves. Tu sais, je suis profondément troublé par le meurtre d'Eisuke. C'est pourquoi je tiens à t'aider. Si cela me permet de te guider comme avant, qu'il en soit ainsi. Mais je suis avant tout un homme qui essaye d'aider. Eh bien, merci pour votre coopération, Tsubasa. Alors, on va déjà l'inspecter. Il n'aime pas trop qu'on le regarde, c'est ça? Ok, rien dans la PNL. Alors ici, addition. Oh, le prix est une sorte de code que je ne peux pas déchiffrer. J'espère que l'employé le comprendra. Théo l'aide à Yumi. Je dois d'abord écouter ce que Tsubasa a à me dire. Ah ouais, d'accord. Tsubasa a l'air d'aimer le lait très sucré. L'a-t-il toujours aimé ainsi? Ok, on va lui parler alors. Interagir, ah bon? Théolé d'Ayumi, addition... Non, on va d'abord l'interroger. Vous devez être très occupé, alors j'irai droit au but. Avez-vous de nouvelles informations? J'imagine que oui, sinon vous ne m'auriez pas contacté. Ah ouais, très direct. Hein. Ah oui, comme tu dois être très occupé toi aussi, je vais tâcher d'être bref. N'oublie pas qu'il s'agit de collégiens, c'est une période délicate pour eux. Ils sont en pleine croissance et donc plus vulnérables que des adultes. On ne peut même pas imaginer à quel point cet accident les a secoués. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas, Ayumi? Oui. Je pense que oui. Ces jeunes ont l'air dans leur état normal à première vue. Mais dans leur cœur, je sais qu'ils sont profondément blessés. C'est presque comme si j'entendais leur âme crier. Ah! Taré, lui! J'ai l'impression que les élèves sont perturbés. Certains sont très dissipés pendant mes cours. Et d'autres? Eh bien, d'autres se moquent de moi, comme s'ils ne me prenaient plus au sérieux. Mais je suis sûr qu'ils sont juste stressés à cause de ce qui s'est passé. Pauvre petit. J'ai tellement de peine pour ces enfants, ça me brise le cœur chaque fois que j'y pense. Je comprends. On va réfléchir un peu. Je devrais écouter ce que Tsubasa a à dire. D'accord. Ayumi, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas les interroger au sujet de l'affaire pour l'instant. C'est trop tôt. Attendez, vous voulez dire que vous n'avez aucune nouvelle information provenant de vos élèves?
C'est exact. Pas étonnant que tu sois détective, Ayumi. Il m'a fait venir ici pour parler de quoi, alors? Ayumi, ton thé au lait refroidi. Prends le temps de le déguster, tu veux? Je sais pas trop, hein. Il n'aurait pas osé l'empoisonner quand même. Savourons ce thé. Qu'en penses-tu, Ayumi? C'est bon, hein? N'est-ce pas le meilleur thé au lait du monde? Hein? Oui, c'est effectivement délicieux. Si tu aimes ce thé au lait, tu vas adorer leur tiramisu. Qu'en dis-tu? Tu veux que j'en commande? Peut-être pas aujourd'hui. Ok, ok. La prochaine fois alors. Spoiler, je me barre. T'es pas arrivé jusque là, Mai? Pardon. Merci d'avoir été là, en tout cas, ça fait plaisir. Je devrais écouter ce que Tsubasa a à dire. D'habitude, tu commences par un lol, mais là, là non. Là, tu as fui. Je devrais écouter ce que Tsubasa a à dire. Ben on va écouter alors. Écoute, Ayumi. Oui. Le collège est un champ de bataille. Et en tant que professeur, je suis un fier chevalier qui se bat pour l'éducation. Ah. Je m'offre du thé au lait en période de stress et de fatigue, car il m'accorde un moment de répit. Et quand c'est le jour de paix, je commande même un tiramisu. Cet endroit est mon havre de paix. C'est en effet un lieu agréable. Et oui. Alors on inspecte un peu quand même le café. Hein. C'est une chaîne de café où l'ambiance est détendue. Je suis déjà allé dans un autre café de cette chaîne. Interagir, téléphoner, réfléchir. Je me demande quel genre d'information il veut partager avec moi. Je n'ai pu parler à aucun de mes élèves. Mais les autres professeurs m'ont permis d'en apprendre plus sur Eisuke. Ah, qu'avez-vous donc appris? Patience. Pour une fois qu'on a du temps libre, profitons-en pour nous détendre un peu. Je sens vraiment pas lui depuis le début. Ah, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est son caractère? Ou est-ce qu'il a une grosse idée derrière la tête? Umai, c'est un pur délice. Observation. Ce thé au lait est un délice. Ah, à peine malaisant le personnage. On est d'accord, Josok, hein? On est d'accord. Alors voici ce que j'ai appris sur Eisuke. Et bienvenue sur ce live, Josok. On est sur du supplément sauce cab. C'est des streams hors planning, mais toujours dans le planning. Tu vois, c'est dans les heures du planning, on va dire. C'est des jours non prévus.
Il avait plein d'amis, de bonnes notes et une excellente réputation auprès de ses professeurs. Il n'a jamais eu de problème. Vraiment un élève exemplaire. Oui, tous les élèves à qui j'ai parlé ont dit la même chose. Il ne s'est jamais disputé avec qui que ce soit. Personne ne lui voulait de mal. Alors certes, les professeurs ne savent pas tout sur la vie privée de leurs élèves, mais... Je pense que la plupart des professeurs seraient d'accord pour dire qu'Eisuke était très apprécié de tous. Le seul truc, c'est qu'il était amoureux de Megumi et donc il avait un rival. Bon. Et à cet âge-là, avoir un rival meurtrier, c'est quand même tendax. Mais pourquoi pas? Eisuke était un élève exemplaire. Ok, on va réfléchir un peu. Je devrais écouter ce que Tsubasa a dit. Ok. Donc il faut cliquer sur observation. J'ai entendu une chose qui a capté mon attention. Voici ce que le professeur principal d'Eisuke a dit. Ses notes étaient en baisse ces derniers temps. Ah, bizarre pour un élève exemplaire. C'est pas anodin. Ah bon, je croyais qu'elles étaient toujours excellentes. Eh bien, il souhaitait intégrer un lycée privé de Kofuku. Pour ça, il faut avoir les meilleures notes, et ce n'était pas le cas. Résultat scolaire. Le professeur principal d'Eisuke lui a conseillé de considérer d'autres écoles si ses notes ne s'amélioraient pas. Mais Eisuke ne semblait pas du tout inquiet. Vraiment? Un bon élève qui s'en fiche d'être dans une bonne école. C'est surprenant. Bah, les collégiens sont parfois imprévisibles, tu sais. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, nous, les enseignants. Ça ne doit pas être facile de faire ce que vous faites. Oh, en effet. Mais enseigner, c'est ma vocation. Ces notes ne devraient avoir aucun rapport avec l'affaire. Ben, je sais pas. Je sais pas, j'en suis pas convaincu. Ça révèle quand même un événement extérieur à l'école, je pense. On peut dire que les enseignants ne sont pas sans rappeler les prêtres. Ah oui, c'est un fracassé, lui. Oui. Quand j'étais en troisième, un professeur a dit... Pardon, mais il y a le chat qui fait trop de boucan. Il change de sujet. Excusez-moi, mais... Avez-vous de nouvelles informations sur Eisuke, mis à part ses notes? Laisse-moi réfléchir. Non, c'est à peu près tout. J'en ai aucune autre information pertinente relative à cette affaire. Désolé, Ayumi. Pas grave. Merci. Réfléchir. Si on ouvre un peu le bloc-notes, on a plein de nouvelles infos, là. Donc, ses notes avaient récemment chuté et risquaient de ne pas être acceptées dans le lycée sélectif qu'il visait, mais ça ne semblait pas le déranger. Et Fukuyama, donc le gars qu'on rencontre là, aime beaucoup le Planet Coffee qu'il décrit comme son arbre de paix. Je crois que le chat se bat avec une mouche. Hein. Qui accorde un thé au lait et aussi du tiramisu à chaque jour de paix. Il y a peut-être une page que je n'ai pas lue, non c'est bon.
Ok. On ne peut pas imaginer que quelqu'un ait pu le tuer en raison de ses mauvaises notes. À moins qu'il ne se soit suicidé. Mais ce n'est pas ce que la police pense, n'est-ce pas? Ou alors il pleurait dans un coin parce qu'il s'est dit qu'il allait se faire engueuler ou j'en sais rien. Peut-être la pression familiale. Et Emio est tombé dessus. Hein. Mais normalement, Emio, ou le Emio-like, ne tuait que des jeunes filles jusqu'à maintenant. Donc c'est un petit peu étrange. En effet, je ne peux pas partager trop de détails, mais je vous confirme que nous enquêtons sur un meurtre. Quoi qu'il se soit passé, le pauvre Isuki nous a quittés pour toujours. C'est un fait et nous devons vivre avec. Il nous faut l'accepter et aller de l'avant. Tsubasa. On va se reprendre une petite... Ah, le Théolet Tsubasa, tiens, on peut agir avec ça? Qui est-il, Ayumi? Non, c'est une possibilité qu'on nous donne, mais ça ne sert à rien. Le Théolet d'Ayumi. Il est bon, mais de là à dire qu'il est le meilleur que tous les autres Théolets que j'ai pu boire... Je devrais régler l'addition quand nous aurons terminé, non? Après tout, il prend le temps de m'aider. À mon avis, il va vouloir payer, mais bon, on va voir. Donc, on est toujours sur les notes. Dis, Ayumi. Oui. Comment se déroule l'enquête? Comme tu le sais, le meurtre d'Isuki m'a profondément ébranlé. Alors je meurs d'envie de savoir si vous progressez. S'il te plaît, tu pourrais me faire part des détails? Ah, lui, il va droit au but aussi, hein? Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas, Ayumi? Eh bien, je vais devoir vous décevoir. Nous avons fait très peu de progrès en ce qui concerne Isuki et Sasaki. Il est tellement normal, comme vous l'avez dit, pas de problème apparent, pas de drame familial. Et pourtant... C'est juste que le jour où il a été tué, il avait un comportement étrange. Ah, vraiment? Oui, sa famille est toujours sous le choc et n'a aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Tsubasa? Ah, est-ce que c'est pas lui qui l'a appelé ce soir-là? Parce qu'il a reçu un coup de fil, il s'est barré avant de se faire buter le gamin. Il n'a pas l'air tranquille. Hein. Oh, désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Ah? Merci de m'en avoir parlé, Ayumi. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Restons en contact, d'accord? À quoi penses-tu, Ayumi? Tsubasa est un peu bizarre, mais je pense que ses sentiments à l'égard de ses élèves sont sincères. Il semble faire de son mieux, et il m'a raconté tout ce qu'il savait sur Isuki. Mais il y avait une autre élève qui était proche d'Isuke dans la classe de Tsubasa. Je veux parler de Megumi Morimoto. Je me demande si elle est de retour à l'école. Elle est absente depuis le meurtre. Et lui avait réagi bizarrement quand elle lui avait parlé de Megumi devant le lycée, quand elle l'a re-rencontré pour la première fois.
Malheureusement, il est 13h35, donc si vous voulez savoir la suite de l'histoire, ça sera dans le prochain live, la prochaine VOD, les amis, puisqu'on a le pouvoir de sauvegarder dans ce jeu à tout moment. Par contre, je ne sais plus comment on se barre. Ah oui, retour à l'écran titre en appuyant sur plus. Et le giveaway, Augustin, tu as raison d'en parler. Le giveaway, c'est jusqu'au 22 septembre, donc c'est un dimanche. Donc pas dimanche prochain, mais l'autre, vous avez encore l'occasion de remporter le jeu Zelda Echoes of the Wisdom, plus en physique, livré chez vous Day One, plus le porte-clés collector que Nintendo fournit à la Fnac, donc porte-clés bonus exclusif à cette précommande. Donc je précommanderai pour le gagnant, évidemment. Et en plus, la Fnac rajoute une housse de Switch de Link's Awakening. Voilà, donc ça fait un jeu en cartouche, avec sa boîte et tout, le cellophane, le porte-clés, et enfin la housse pour la Switch, donc magnifique. Magnifique lot à gagner. Pour ça, bah, il suffit de se rendre sur le lien qui est signifié dans le point d'exclamation give. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a une vidéo sur le sujet, sinon vous allez sur mon Twitter, ça se trouve dans mes coordonnées de personnage YouTube. Vous allez sur mon Twitter et donc c'est épinglé, c'est le premier article que vous voyez. Et ensuite il suffit de suivre les instructions. Et il y aura un tirage au sort. Pour l'instant il y a 57 participants. Donc il y a une chance sur 57 de gagner. Ça reste jouable, j'ai envie de dire. Voilà, et puis la participation est gratuite. Donc il y a juste quelques petites démarches à faire, mais c'est pas très compliqué. Merci Augustin d'avoir rappelé le giveaway. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. Ça augmente les chances de me faire connaître, puisque ça fait travailler l'algorithme, le fameux algorithme YouTube. On est déjà plus de 1200, donc merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup. Ceux qui suivent les vidéos, mais aussi les shorts. N'hésitez pas à faire ma pub autour de vous. Voilà, me faire connaître. Ça serait très appréciable. Le concept, hein, c'est comme d'hab, plus je grossis, moi j'ai pas besoin de faire tout ça, je travaille, j'ai un bon salaire, je peux m'acheter les jeux et tout ça. Donc le but de tout ça, c'est de redistribuer. Donc chaque fois que maintenant qu'on a monétisé YouTube, vous le verrez un peu plus, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas trop monétisé le Twitch, j'ai envie de dire. Chaque fois qu'il y aura de l'argent qui rentre, moi tout mon matos est amorti. Donc, je réinjecterai dans des giveaways. Voilà. Le premier giveaway, vraiment pas mal, ça avait été le Pokémon Violet Écarlate. Mais ça, c'est moi qui l'avais financé. Le deuxième gros giveaway, donc quelques années plus tard, c'est le Zelda. C'est encore moi qui finance. Mais à partir de maintenant, on va essayer d'auto-financer les cadeaux avec les partenariats de chaîne. Voilà. Donc, plus vous poussez, plus vous poussez la chaîne vers le haut, et plus les cadeaux redescendront. Voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous et des checks. On se retrouve demain matin. Demain matin, demain midi, on a encore des jeux Day One, Preview, Exclu, tout ça. Allez voir le planning. Il y a du matos. Et on va voir chez qui on raid. Mais en attendant, on s'envoie le syndrome Kabuki, bien sûr. Comme toute fin de stream. Et je vous souhaite donc un bon après-midi. Guettez le YouTube aussi, parce qu'il y a des exclus qui pop. Je crois que la première, c'est demain 11h. Et après, jeudi, il y a deux ou trois jeux qui vont popper aussi à des heures bien précises. Je vous laisse guetter le YouTube. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un jeu de Axis, je crois, qui est Nano Postal, qui est un excellent jeu. Pixel art avec une DA très japonaise. Et ensuite, je peux pas vous dire le titre exact, mais vous comprendrez. Imaginez, si vous essayez de retracer le titre, ce sont des gens du voyage qui mangent des cases dalle. Voilà, c'était la petite énigme du jour. Et ça va popper aussi jeudi dès la sortie sur les plateformes. En même temps, vous aurez les gameplays. Voilà. Bon, je pense que la réclame a été assez conséquente aujourd'hui. Dernière chose pour ceux qui sont encore là. Est-ce que pendant le stream, vous avez eu de la pub, une coupure pub?
Est-ce que c'est... Et qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Est-ce que ça vous a emmerdé? Est-ce que c'est passé tranquille? C'était pas trop long? Ou est-ce que vous vous êtes barré et à ce moment-là, vous ne pourrez pas témoigner? N'hésitez pas à le mettre en... dans le chat pendant qu'on déroule le syndrome Kabuki. Et puis après, on part en raid. On va voir chez qui. Voilà. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noriyo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux Kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Impressionnant. Étrange en soi. En effet, les personnes atteintes du syndrome de Kabuki ont... Quand on commence à perdre, le niveau de vie commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie. Il y a toujours ce même truc qui se répète, parce que quand on arrive à un point de vie, on va essayer, on va mourir, et il faut continuer, il faut aller plus vite, il faut aller... Impressionnant. C'est assez angoissant, oui. Angoissant. C'est assez angoissant, oui. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. C'est assez angoissant, oui. Au Japon. Le fameux Kabuki. Impressionnant. Il aime beaucoup jouer à ces jeux vidéo, et je le dis avec modération.